Voilà, c'est parti, on contacte le GRE. Faut monter sur le toit du train. Allez, ah putain, mais n'importe quoi, genre un buisson ça t'empêche de passer. Voilà, ça c'est fait. Ici Crane. Je travaille plus avec Rice. Il voulait que je kidnappe Jad Aldemir pour la faire combattre dans son arène. Oui, et c'est tout? Comment ça, c'est tout? Je fais pas dans le trafic d'humains, moi. On dirait que vous oubliez à quel point ce fichier est important, Crane. Si Rice veut la fille, livrez-la lui. Allez, nickel. Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire? Vous êtes sûr de bosser dans l'humanitaire? Et puis, si ce fichier peut sauver le monde, pourquoi il doit rester secret? On ne vous paye pas pour vous poser des questions, Crane. Récupérez le fichier, c'est tout. Allez vous faire foutre. Allez, on va direction la tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Jeff, notre spécialiste, est parti la semaine dernière. Et il est du genre irremplaçable. Je peux peut-être le retrouver. Il faut que tu le retrouves. Et vite. Il paraît qu'il s'est monté une petite forteresse, quelque part derrière la gare. Ah, si ça l'a réussi, il a réussi à attraper. Ok. Oh, c'est toujours Abdullah, mais j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai jamais compris ce qu'il voulait. D'ailleurs, au moins, il les a électrocutés avec ça, non? Je sais pas encore comment ça marche. J'ai peut-être pas débloqué encore la compétence ou quelque chose. Bracken, c'est Crane, tu m'entends? Bracken, tu m'entends? Merde. Jad, c'est Crane, tu m'entends? Crane, combien d'antizines t'as récupéré? Rice voulait que... On s'y fait avoir. J'ai que 5 flacons. Quoi? On ira pas loin. On a un problème. Oula! L'épidémie a éclaté au 18e étage. Reviens le plus vite possible. Et perds pas l'antizine. Allez, monte! Je pense aussi avoir mes armes si je peux pas acheter de nouveaux trucs ou pas. Alors il y a lui déjà qu'on va lui rendre les trucs. Merci, excellent. Voilà. Bien. Bien.
Il a des trucs, il a des trucs. Est-ce que tu veux? Monsieur Crane, connaissez-vous un homme qui s'appelle Volkan Yassifdal? Volkan Dahl, bien sûr. C'est le patron de Volkan Petrol Engineering. Ah bah oui, l'homme d'accord. Le plus riche d'Aran. C'est exact. Et Monsieur Dahl a besoin de vos services. Je savais pas qu'il était encore en ville. La plupart de ses employés ont été évacués. Mais ses deux ingénieurs en chef sont toujours ici, dans le bidonville. Tolga et Fatim. Ils travaillent sur un projet spécial. C'est hautement confidentiel et je crains de ne pouvoir en dire plus. Mais je peux vous assurer que c'est d'une importance capitale. Alors je chercherai pas à en savoir plus. Les deux frères sont de brillants ingénieurs. Mais ils sont aussi quelque peu spéciaux. Ajoutez à cela les conditions problématiques de l'environnement actuel, et vous comprendrez qu'ils ont pris du retard. Monsieur Dahl voudrait que vous l'aidiez à remettre le projet sur les rails. Vous recevrez une généreuse compensation, bien évidemment. En faisant quoi? Ce qu'ils vous demandent. Ils n'auront besoin de vous que de temps en temps, et vos missions ne seront que de courte durée. Vous devrez éliminer des obstacles, dirons-nous. Ils vous contacteront en cas de besoin. J'y réfléchirai. Ok. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Tu connais Jafar, pas vrai? Le gars du garage. Il cherche un bon traceur. Pourquoi faire? Il ne voulait pas en parler sur la radio. Je pense que c'est important. D'accord. Bon, j'aurais de quoi faire niveau quête annexe. Et c'est toi. Hey, tu vois, oh, c'est toujours la maison rouge, on s'en fout. J'ai pas mal de soucis en ce moment, mais je vais y réfléchir. J'irai voir. Toi. Waouh. Ah, la fausse idole peut être sympa. Si je voulais jouer tueur communiste avec le marteau et la faucille, ça peut être marrant. Mais bon, sinon. Ah oui! Je vais filer le 9mm à Daoud. Bah, de toute façon, il est en haut. Hop. Ok, ça c'est bon. Petit écran de chargement. L'épidémie a éclaté au 18e étage. C'est bon, il est rapide. Tu as l'antizine? Donne-la-moi. Il y a eu quoi ici? Une personne a été infectée. Et deux autres ont été prises au piège. On aurait pu condamner l'appartement. Mais Brecken voulait sauver un max de gens. Ça a mal tourné. Il a fallu prendre une décision. On a perdu l'étage et... Et quelques gamins dans le tas. Tu devrais aller voir Brecken. Je vais apporter ça à Lina. Ah, ici, ces gars raflent toujours les livraisons. Logique. Ah non, il va être en haut. Ah oui, ça doit être le point blanc. Ouais. Alors. Ouais, il est là. Oui, il est là. Tu l'as? Super. Voici la clé que je t'ai promise. C'est ma boutique de prêteurs. Ah voilà, c'est pour ça. La clé, il ne l'avait pas encore donnée. Et à propos de ça, tu pourrais me rendre un autre service? Je veux que tu me rapportes un truc du magasin. T'avais prévu d'y aller, hein? Vas-y. C'est. Te marre pas, d'accord? C'est une figurine de Ray McCall. Je sais que ça a l'air stupide, mais elle compte beaucoup pour mon fils. Bon, bah, du coup, je redescends. C'est là qu'on reçoit les infos concernant les livraisons d'antizine. Et là, on n'en reçoit plus. Mais il y avait des enfants! Lina a dû réagir. Je devrais peut-être la laisser diriger. Mais putain, Crane! Je suis pas un leader. Je suis prof de parcours, c'est tout! Tous Freyren? C'était toi?
Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre. Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Arran? Des putains de cartes de visite. J'espérais trouver de nouveaux élèves, économiser pour acheter une maison et quitter mon petit appartement pourri. Écoute, je vais aller parler à Rice. Et attends un peu. Tous ces gens ont besoin de toi. Donne-moi un peu de temps. Il y a sûrement une solution. Une meilleure solution. Très bien. Je vais attendre. Mais fais vite. Ok. Je vais enfin pouvoir faire quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, Crane. Je peux te faire confiance? T'es sous ou quoi? Oui ou non? Oui, oui, oui. Qu'y a-t-il? Les éclaireurs ont trouvé un hydrapace dans ce gratte-ciel. Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Je pense à un truc. On pourrait peut-être le faire exploser. Me dis pas que t'envisages toujours ça. Crane, il le faut. Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antisigne dont on a besoin. Ça peut être sympa. Bonne équipe. Ah, merde. Me lâche pas. Me lâche pas. Oh putain. Tu vois, on fait une bonne équipe. Écoute, Raïm, on n'a pas d'explosifs. Du tout. À part peut-être les pétards de Spike, mais bon. J'en peux vraiment plus. Tout ce que je fais, c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Je veux pas crever ici, Crane. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. C'est quoi ça? Je devais partir le dimanche. Et ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... Bon, écoute, je vais réfléchir, ok? Si je trouve un moyen de t'aider. C'est ça. Ici Crane, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Il faut que vous recommenciez à livrer de l'antisigne près de la tour. On en a besoin. On vous a envoyé à Arran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères Teresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rai. Peut-être que Mademoiselle Aldemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antisigne, et ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolé de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés. Avec votre fichier à la con, je vais le trouver. Mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire.